Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes. Voilà. Le putschiste Mamadou Doumbouya. Le putschiste Mamadou Doumbouya. Annoncé du 17 au 21 à New York. La famille... J'espère que vous allez bien. Je vous ai manqué. Je vous ai beaucoup manqué. Voilà, c'était la pause. Et nous allons encore framponner sur les putschistes. Mais, avant de commencer ce direct, je tiens à dire à ceux qui ont pris déjà l'argent, que vous allez venir devant les Nations Unies pour supporter Mamadi. Si vous n'avez pas honte là, Nalte Maloyala, on va vous prouver que vous n'êtes rien ici. Devant la majorité des Guinéens vivant ici aux États-Unis. Oui. Monsieur Sheriff New York, coordination Mandeng. C'est-à-dire, il faut avoir honte à Al-Kakaka Maloya. Il faut avoir honte quand vous faites croire aux gens, à la communauté du Mandeng, qu'Ono Mamadi, c'est un mannequin. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Mais comme c'est l'argent qui vous intéresse, prenez l'argent. Vous vivez aux États-Unis, un pays de démocratie. Mais c'est vous qui êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire pour dire à nos parents, non Mamadi, Mankale, Asinita. Mamadi Kamumboué, Akamonsouyouamboué. Mais vous n'avez rien compris. Hein. Vous n'avez absolument rien compris. Vous allez avoir honte, Inch'Allah. À partir du 17, vous allez avoir honte. Préparez-vous, prenez l'argent. Si vous pensez que vous allez acheter les consciences, vous allez endormir les Guinéens, là je vous dis, vous trompez. Nous serons 1000 fois préparés que vous, devant les Nations Unies. Vous savez, avant, le RPG Arc-en-Ciel était opposé à l'UFDG, ANAD. Mais cette fois-ci, là, nous sommes tous du même côté. Voilà. Mais comme vous, c'est l'argent qui vous intéresse, prenez l'argent. Ne travaillez pas aux États-Unis. Hein. Venez vous asseoir, coordination. Coordination, coordination. Des bêtises comme ça. Est-ce que le bandit a été élu par le peuple de Guinée? Le bandit Mamadou Doumbouya va venir dire quoi aux Nations Unies? Qui a élu ce bandit-là? Il va venir aux Nations Unies. Qui a élu ce putschiste-là? Il va venir dire quoi au nom de la Guinée? C'est les Guinéens qui l'ont élu. Un bandit légionnaire va venir parler quoi au nom des Guinéens ici? Et nous sommes là. Ça fait 2 ans le bandit est arrivé. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Mais on vous attend. Ici, c'est les États-Unis. On a voilà. Comme vous n'avez pas d'argument, c'est se flanquer pour dire seulement qu'on a, Manikale Mamadou Doumbouya, on a soutenu à Kenita, à Bonita. Manamanaka, on a la do Aldaro. Manka Dem le Fouani le 5 septembre. Manka Massale la Maloyani. Comme Mamadi Tila Maloyana. Mamadi, à ma présence, va connaître à Katana et Bameto. Manamanaka Fouwe. Manamanaka Fouwe. Vous n'avez pas honte? Ni, si vous n'avez pas d'argument, comme Mamadi a travaillé. Mamadi Kabare Douake. Ils sont venus trouver plus de 1 milliard et demi de dollars dans les caisses. 14 500 personnes aujourd'hui sont assis. Ah ici, madame la Kamfala. Nal mafra la nafia la. Nal mafra la fisri l'ombalia la. Comment on dit barabare? Alte maloya la. Mamadi a fait quoi? Il est en train d'achever le chantier du président Fakonde. Le bandit, et vous êtes là en train de nous faire croire. Comment Mamadi est en train de travailler? Alte maloya la. Vous n'avez pas honte? Allez faire Kamankal les Mangoya. Vous voulez rendre les malinqués, c'est-à-dire impopulaires dans ce pays? Allez faire Kamankal les Mangoya. Allah manamana kamforo. Kono, comme Mamadi et Mankale, en manga kalam maloya. Alte, alte bo, manamana kamforo là-haut. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire, voici l'argument que ces vauriens trouvent ici à New York. Kono, Mamadi, c'est un malinqué. Kono, ils n'ont qu'à soutenir leur fils. Mais ça ne va pas chez vous? Un bandit, il a fait le coup d'état à un malinqué. Quelqu'un qui a agi que son père.
qui est âgé que sa mère. Ce bandit aujourd'hui roule pour qui? Quand Nazareth la kereke. Alors il est ici, madame Kamfola, comme Mamadi. Mamadi a signé quel vrai projet. Le bandit est sorti pour aller où? Trouver des marchés pour la Guinée. Le bandit est venu, 14 500 personnes à la retraite. Et des malhonnêtes vont s'asseoir pour nous dire qu'on n'a que parce qu'il est malinqué. Partagez dans tous les groupes. Mais je vous ai dit, je suis revenu. J'avais besoin de repos, mais on va vous taper maintenant dans ces deux jours-là. Aldaï, je vous ai dit, vous serez surpris dans ces deux jours-là. Almadir ka mobilisation miye, Aldaï et Alniala. Almadir ka mobilisation miye, Alniala. Aldaï et Alniara. Attendez, je vais bloquer ce maudit-là, Koubakari Traoré. Ouais, allez, Djamfantin de tête, Namori Traoré, Bramodo. Alou Danka Delou, Djamfantelou, Albravou Lako Mankayako. C'est que le bandit a fait là, vous allez nous dire. Un bandit vient renverser le président Fakonde. Et le bandit aujourd'hui, il emploie combien de personnes? Manamana Moluli, ici, à Nyakoro, Koka au supporté, Komanka. Bandit naïre, Narko naïre. Mais ici, c'est les États-Unis. Ici, c'est les États-Unis. C'est-à-dire, on est prêt à 100%. Des vrais bandits viennent. Hein? La famille, partagez tous les Guinéens ici aux États-Unis, ceux de Maryland, ceux de Washington, de New Jersey, de Pennsylvanie, de Connecticut, New York, vous-même, ne serait-ce que même les gens de New York, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Voilà. L'année passée, on les a prouvés. Mais cette année, on va tripler encore le nombre. Ils ont vu le nombre de personnes qui ont sorti l'année passée devant les Nations Unies. Mais cette année, comme le bandit dit qu'il est garçon, il veut voyager, non? Le bandit, il n'y a pas de problème. On attend le bandit Mamadi Doumbouya ici aux Nations Unies. Celle-là, nous allons les montrer. Que ici, là, oui, la liberté d'expression, qu'on a le droit de dire, on ne veut pas d'un bandit à la tête du pays. Qu'on ne veut pas un narco à la tête du pays. Ici, c'est les États-Unis. Vos conneries, là, c'est à Conakry. En tout cas, voilà, Mohamed Touré, les œufs. Tomates aussi, tomates. Achetez les tomates aussi. Et vous savez, les tomates fraîches, ça ne finit pas ici. Tomati, atebana, aux tomates, Sarah. Dit bandit, Mouramasse, eh ben, vous rien n'en ira. Donc, achetez les tomates aussi. Ils n'ont pas dit qu'ils sont garçons. Comment des vauriens, des bandits peuvent se lever et venir aux Nations Unies? Qui vous a élu? C'est les élus du peuple qui viennent aux Nations Unies. Des bandits comme ça. Vous allez venir. Qu'est-ce que ce bandit va venir dire aux Nations Unies, au nom de la Guinée? Et depuis le bandit est venu, c'est soi-disant co-coordination du mandé. Qu'est-ce que Mamadi a fait? Qu'est-ce que Mamadi a fait? Mettez le cœur. Levez-vous. Levez-vous, c'est-à-dire, voilà, toi tu es bloqué. Sortez tous. C'est-à-dire, on doit prouver à ces bandits-là, surtout le putschiste Mamadi Doumbouya, que ici aux États-Unis, nous sommes rois aussi. Donc, Beibo, moi aussi, qui si? Qui n'est si, Mme Kamfola, moi, l'Unyakoro, comme Mamadi Doumbouya, comme Mankali? Mme Kamfola, était où? Akakouneta, qui est venu là? Amakou d'état que Mankale là. Allah manamana kanfo. Comme Mamadi Doumbouya. Il faut se rentrer, se sortir. Hein? Comme Mamadi Doumbouya. Mankale, Asinita, Koué Barbera. 14 500 personnes sont assis. Neltate manamana kanfo. Vous êtes flanqué à New York ici. Vous allez dire ce vaurien. Que lui il est en train de travailler en Guinée. Le bandit est venu trouver les chantiers. Qui est sorti trouver l'argent? Qui a initié ces projets? Le bandit est venu arrêter les projets du président Fakonde. Et les menteurs maintenant viennent se flanquer comme Mamadi est en train de travailler. Mamadi est sorti pour signer quel contrat? Ce vaurien là. Je dis mobilisation. Il n'y a pas fait de peul, il n'y a pas fait de malinqué, il n'y a pas fait de forestier, il n'y a pas fait de soussou. C'est la Guinée. Les bandits ne peuvent pas prendre. Les bandits ne peuvent pas prendre la Guinée en otage. Un vaurien qui n'a même pas son BEPC. Un vaurien qui n'a pas son BEPC. Comment on peut diriger un pays comme la Guinée avec autant de cadres? Ce n'est pas une honte qu'au 21e siècle, que la Guinée, remplie de technocrates, que c'est un bandit légionnaire.
un bandit légionnaire, oui, qui doit diriger la Guinée. Mais ce n'est pas une honte. Combien de militaires aujourd'hui sont tombés? Combien de militaires disparus? Fonction publique. Quand j'entends des farfelus s'asseoir qu'on n'a qu'on le bandit se vaurien en train de travailler. Mais je me demande, mais ça ne va pas chez vous? Vous êtes dans quel monde? De quelle Guinée vous parlez? Les chiffres sont là-bas. 14 500 personnes à la retraite. Décembre à venir encore. Plus de 5 000 sur cette liste. Bande de malhonnêtes. C'est des chantiers du président Fakonde, Kabélé. Tous ces grands projets. C'est la sagacité du président Fakonde. Financièrement. Et ces vauriens sont là aujourd'hui. Ils ont vidé le trésor public. Bande de vauriens. Vous êtes aux États-Unis. Au lieu de travailler, bande de fainéants. C'est l'argent qu'on vous distribue aujourd'hui que vous allez venir. Et il n'y a pas de problème. Moi, je suis tellement... Je suis rassuré. Avant, il y avait UFDG. Leur mobilisation connaît. Et face au RPG. Mais cette fois-ci, là, c'est tout le monde la danse. Venez. Vous allez, prenez l'argent. Tous ceux qui vont prendre l'argent pour bouffer, là, moi, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui vont venir s'arrêter, ça ne va pas chez vous? Le bandit, aujourd'hui, 14 500 personnes sont assises. Sans salaire. 15 000 enseignants contractuels, sans salaire. Ça fait 10 mois. Les agriculteurs, bande de malhonnêtes. Le budget national aujourd'hui est passé de 36 000 milliards à 37 000. Et qu'est-ce que les vauriens sont en train de foutre? L'engrais, c'était combien? Le budget, cette année, de ces vauriens-là, est passé de 36 000 milliards à 37 000 milliards. Le bandit est en train de payer les gens pour sa sécurité seulement. Mais le résultat sur le terrain, la douane aujourd'hui, doublée. Et vous, les vauriens à New York, vous êtes assis, qu'on a, comme Mamadi, comme Manika. Voilà, en prenant. Mais vous allez bien sentir. L'année passée, allez-y voir nos vidéos de l'année passée. Mais cette année encore, ça dit on est déterminé. À ce moment, ça dit la classe politique, la société civile n'était pas encore créée. Alors, Altemaluya, vous n'avez pas honte. Vous vivez aux États-Unis ici. Le gars a tué comme une... Moi, je lui fois le 5 septembre. Il n'a pas donné le corps. Et vous, vous êtes flanqué à New York ici. En train de prendre l'argent. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Là, ça raconte paix à son âme. 26 ans, mon sima la maloya. Alouté maloya la fou. Bandina yere, légionnaire. Oye na manka, masala maloya. Président va me connaître. Ama mon fatakana. Là, ça raconte 26 ans. Aki sabari. Alou manamana molu. Allez ici. Projet sous siroté. Djene kanyini. Président Fakonde, depuis Bandi Lunani, ils ont initié quel bon projet. Les barrages, c'est le président Fakonde. La route nationale, c'est le président Fakonde. L'hôpital Donka, c'est le président Fakonde. Et vous les vouriez, allez ici, comme m'a dit Barella. Ton la Barella Bani. Moi la Barella Bani. Bande de vauriens que vous êtes. Fils de l'homme Beliaoui. Ni manka de tout la force spéciale qu'on a. Si le Bandi a kakoune tamke, à tout d'ake. Douane, tout mani sangare. Chef d'état-major est Namouri. Kafankata Kadalma. Alou Fisri Lom Bali. Présent Fakone. Akalonien. Kalke Fenti. Kankatrek Bangalero. Sigirin Betrek Bangalero. Bekanjemana Betrek Bangalero. Kafem Beta Kakalonien. Fisri Lom Bali Lunisi. Comme Madie Barella. Kalem Mamadita. Katakako. Kafani Blakana. Fisri Lom Bali Lou. Alkatomu Folanien. Vous n'avez pas honte? Kafankata. Kafem Beta Kadalma. Kawalta Kadalma. Mamadie Nautila Maluya. On m'a dit que je suis un homme qui a été honoré. Moi, je ne vous réponds pas ici. Moi, le général, on me connaît. Je vous ai dit, le 5... Moi, d'ailleurs, je prends 2 jours d'hôtel à New York. C'est-à-dire, pour la préparation, 2 jours d'hôtel à New York. Bande de malhonnêtes. Makou manfisani djamfaye. Alors que ton moufoula manka yakubourouma. Kalou manka denouta, kafankata, kadalma, kasebe kalounye. Et fils l'on bali l'unissi manka koukoumala anyakon. Naltate dankade yakoumale yewe. Kafankata kadimankadeluma. Namouri, chef d'état-major Sandy Djuri.
à Kankrosi Tregeni. Por là, tout mani sankare. Et à lui, ici, au Robi, quoi, il y a un man qui a hein? Man a un fou. Mais nous, on est préparé, on va faire une. On dit si c'est bien que c'est-à-dire qu'il y a un man qui a tamati, qu'il y a un man qui a cette fois-ci là. Je ne sais pas si tu es là, tu es là, les Nations Unies là. Des bandits comme ça. Combien de personnes sont décédées le 5 septembre? Est-ce que ces bandits qui parlent de justice, ils ont donné le corps aux parents des victimes? Est-ce que ces femmes-là, victimes, elles ont été dédommagées? Bande de malhonnêtes, bandits Lucini, des tonneaux vides, des tocards sont à la tête du pays. Ces vauriens, ces arrogants qui sont là. Coup d'état Kenny Gabon Bekayo, fils de l'ombalité Kéoyo. Il a été reconnaissant avec Ali Bongo. A Faka Kanye, Ali Bongo Kakanye. Au Gabon, tout le monde a vu. Mais le monsieur n'est pas maudit pour humilier Ali Bongo ou humilier la famille de Ali Bongo. Même Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dieu, il nous dit d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. D'être reconnaissant envers lui, d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Ce vaurien de Mamadi Doumbouya, il est tombé du ciel. C'est lui qui a cherché le pouvoir pour le président Fakonde. Ce malhonnête, ce traître, ce légionnaire, vient trahir son bienfaiteur et fissure l'homme Balulu, des frustrés. Moi, Damaro, qui vous parle, vous m'avez vu mon combat. Moi, je ne suis pas payé par quelqu'un. Je n'occupe pas un poste, mais c'est la vérité qu'on défend. Voilà. Si on était dans le mensonge, si on était payé, depuis longtemps, vous connaissez Damaro. J'aurais arrêté ce combat. Mais rien ne va nous arrêter dans ce combat-là. Parce que c'est des bandits, c'est des narcos qui ont fait le coup d'État. C'est des traîtres. C'est des incompétents, des vauriens qui sont à la tête. Et comment ces vauriens peuvent venir aux Nations Unies? Devant nous ici. Ils n'ont pas dit qu'ils sont légaux. On va voir. Charles Wright, le vaurien, là, il n'a pas dit que oui, ils peuvent nous envoyer en Guinée. On va voir devant les Nations Unies. Donc, je vous ai dit, la famille, restons calmes. Ce n'est pas le coup d'État de l'armée guinéenne. Notre armée guinéenne n'a rien à voir dans le coup d'État. L'armée guinéenne n'a rien à voir. S'il y a des gens aujourd'hui, ils ont juste peur. Parce que le bandit pense que prendre les armes avec les militaires, quand il a gagné, il n'a rien compris. Mamadi dit là-bas à Djoumanaya, toi le traître. Des vauriens vont venir faire le coup d'État ici. Hein? Des vauriens. Il y a eu combien de morts en Guinée? Combien de morts? Oh, on ne parle pas de ça. Combien de morts? Et ce vaurien va venir aux Nations Unies. Il va dire quoi? Au nom de qui? Au nom de qui? Ces bandits-là vont venir aux Nations Unies. Ils vont dire quoi? Ils ont été élus par qui? Ces vauriens qu'on a lavés, que le président Fakonde a nettoyés. Moro Kurosuya Minute, Koyansi, Doline ici, ils n'ont même pas d'argument des illettrés. Qui n'est si mon lunakoro, que Manika Masalete, c'est un pouvoir malinqué, Adonita, Abonita, Anyeka fait, Ankanala Maloya, Manamanato. L'ancien raconte n'a pas été humilié ici. 26 ans, on est présent Fakonde, opposition ferme. Les Soussous n'ont pas humilié. Paix à son âme. Feu à Ahmed Sékou Touré. Ce sont le Malamaloya. Ce sont Moussou le Kibro, c'est Akoro. Fils de l'Ombali, légionnaire. Un légionnaire qu'on nettoie, on le met à la tête des forces spéciales. Ça a été créé pour lutter contre le terrorisme. Et le bandit se retourne. Où est l'opposition aujourd'hui? Où est la cellule d'aller? Ce vaurien-là, il a été mandaté par qui? Nalta te fissuri l'on baliaye. Koumfina yere na diamanata en otage. Mwokra ni ba diamana mikono. Kwanyan si kokambro croisé. Bandi ya kaka diamana ro tiyembi. Et vous voulez que non? Et vous voulez mettre ça sur l'affaire de communauté? Mais ça va pas chez vous. À un moment donné, il faut avoir honte. Aye alal makou, alal datou. Fermez vos gueules. Vous n'avez pas honte d'appeler les gens ici pour dire Mamadi mankali. Alte maloya la. Mamadi mankam masal la maloya. Vous les malhonnêtes là. Si on vous a donné l'argent, prenez. Si vous voulez parler de Mamadi là, c'est que ce vaurien fait. Si ce que ce vaurien fait depuis qu'il est venu, parlez de ça. Les grands projets qu'il a fait, parlez de ça. Mais vous n'allez pas parler de Kabélé. Ça, c'est le président Fakonde. La route nationale, c'est le président Fakonde. L'hôpital Donka, c'est le président Fakonde. Toutes ces réformes, guichet unique, c'est le président Fakonde. Mais il dit à Bandi Lukame, Kouli Barel. Vous savez comment un projet est signé?
Awariye Bolayuro Mino, les 5 ans du président Fakonde, il a fait des tournées. Allez en France, on lui a rien donné. Même venir ici, fait madame. Ayakuna Bare, à la sagacité. Nazara lui bla au compte là. Alou Soulom Balilou. Allié Djamfala dans Koka. On le trahit. On trahit le président Fakonde. Depuis ces pays-là, pour le faire tomber. Et Alou Fisloulom Balilou. Dunia Baratiaï. Ici, on a tous vu le congressman ici. Gaël. Le congressman Gaël. Face à un général. Que pourquoi ils ont soutenu. Pourquoi ils ont soutenu un militaire contre un président élu. Ça, c'était ici, au Congrès, ici, aux États-Unis. Et vous, vous êtes flanqué ici pour dire que Mamadi, devant le Congrès ici, devant les élus du peuple, devant les élus du peuple américain ici, ça, ça a été débattu devant tout le monde. La vidéo, on a montré. Et Aldun ici, Mme Kamfola, ici aux États-Unis. Ce vaurien de Mamadi Doumbouya, c'est ici, nous allons lui montrer que déjà, le peuple de Guinée, le peuple de Guinée est assis. Les gens ont peur. Mais la réalité, personne ne veut de lui. Et c'est ici que nous allons exprimer cela. Bande de vauriens. Je vous ai dit. Non. Non, la vérité, mon frère, Amadou Sall, la vérité finira toujours à triompher. Ne répondez même pas ceux qui insultent. Ils sont combien? 1, 2, 3 personnes. L'année passée, on était devant les Nations Unies. Non? Les malhonnêtes qui ont pris l'argent, ils peuvent venir. Aujourd'hui, le peuple de Guinée, même ceux qui ont cru que non, c'est un changement, que le pouvoir du président Fakonde n'était pas parfait. Même eux, ils ont cru. Il a trompé tout le monde. Ce bandit a pas racheté les consciences. Et regardez, prenons l'exemple sur le Gabon seulement. Prenons l'exemple. On a vu le poutiste se déplacer, aller voir M. Albert. Tout le monde a vu ça. Pour la quiétude dans un pays, voici des actes à saluer. Mais ces vauriens, ces arrogants, ces tonneaux vides, parce que non, ils sont supérieurs à tout le monde. Des bambins, des vauriens. Qu'est-ce que Amara vaut par rapport à tous ces soldats guinéens, de l'armée guinéenne, qui dépasse Amara sur tous les plans? C'est, regardez la gonflée, la petite là, Aminata Diallo. Comment ces vauriens là peuvent parler devant des militaires? Un groupe de petits bandits viennent se flanquer devant le peuple sans aucune notion de la République. Et comment on peut laisser ces vauriens diriger le pays aujourd'hui? Et cette petite gonflée de Aminata Diallo qui va dire que non, il n'y avait même pas d'administration. Et pendant ce temps, son mari travaillait. Bande de malhonnêtes. Voici des tocards comme ça qui sont en train de diriger. Non, la famille... Je vous ai dit, le général s'est reposé. Et je vous avais dit, je me suis reposé pour ce combat-là. Merci en tout cas pour le soutien. Inch'Allah, la vérité va triompher. Je vous ai dit, le bandit là, il sera attaché. Ce bandit de Mamadou Doumbouya, il sera attaché devant tout le monde ici. Inch'Allah, je vous ai dit. Moi, les malhonnêtes, je ne soutiens pas un malhonnête. Un fils de l'Ombali, je ne le soutiens pas. Et il y a combien de personnes qui le soutiennent? Eux-mêmes, ils le savent. Ils font semblant, ils le savent. Quand il y a eu le coup d'État, le bandit, il demandait le soutien de qui? Ce n'est pas le président Selou qui est sorti faire des tournées pour ne pas qu'il y ait des sanctions sur la Guinée. Et ce vaurien aujourd'hui, il n'a pas détruit la maison de Selou d'Alain. Écoutez, la famille, si quelqu'un insulte, ne l'insultez pas. Je vous ai dit, le général est habitué à ça. Ça dit, je ne veux pas que Facebook vous bloque parce que vous allez répondre à ces malhonnêtes-là. Il y a un système automatique. Ça les enregistre et quand je finis, je les bannis de ma page. Donc, pardonnez, je ne veux pas que quelqu'un qui aime le général 5 étoiles, vous m'écrivez pour dire « Damaro, tu m'as bloqué, je ne vois plus tes vidéos ». Non, c'est parce que vous répondez à ces insolents. Ils ne sont pas nombreux, pardonnez. C'est très facile de les bannir après le direct. Donc, ne les répondez pas. Et il pense que c'est un juge qui devait enlever le général sur 5 étoiles. On a payé des blogueurs, insulté père et mère. Mais moi, je vous ai dit, tant que tu es sur la vérité, ce n'est pas cette futilité-là, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui ne peuvent même pas parler du bilan du CNRD, qui vont te décourager. Non. Donc, la famille, laissez-les insulter comme ils veulent. Nous, on est tranquille.
Ici, c'est les États-Unis. Les bandits n'ont pas dit qu'ils vont venir aux États-Unis. On va leur prouver ici qu'on est maître ici. On est maître, qu'on a le droit ici. Voilà. Je vous ai dit, laissez, on va les soigner. Inch'Allah, il sera attaché ce bandit, ce malhonnête. Faut pas que des malhonnêtes viennent en train d'humilier nos personnalités et des malhonnêtes ici aux États-Unis. On vient, on leur donne de l'argent. Aujourd'hui, on leur donne de l'argent qu'au nord de sortie, ils vont soutenir. Mais je vous ai dit, c'est poteau. Amara, c'est poteau, tu es venu ici avec l'argent. C'est poteau. Les coordinations qui ont pris l'argent là, c'est poteau. On se connaît ici aux États-Unis. On se connaît ici aux États-Unis. Je suis tellement rassuré. Je suis tellement rassuré. Les forces vivent. Ça dit, tout le monde a compris. Maintenant, les malhonnêtes là qui parlent de soutenir Mamadi là, c'est vous qui allez avoir honte ici aux États-Unis. C'est vous qui allez avoir honte. La communauté guinéenne, ceux qui sont en train de distribuer l'argent aujourd'hui, ah Mamadi, Anyerekanmole. Je vous ai dit, laissez-les. C'est eux qui vont avoir honte. Comment on va encourager des médiocres, des vauriens comme ça dans notre pays? Hein? Les gens vont à l'école apprendre pour devenir quelqu'un dans leur pays. Mais des vauriens viennent faire des coups d'État, des nominations bidons dans nos pays. Donc, la famille, je vais vous laisser. Ça, c'est la première vidéo. Et on a tout le temps. Et je vous ai dit, pour les t-shirts, tous ceux qui veulent venir, il n'y a pas de problème. Vous avez mon numéro. Ceux de New York, on va porter les t-shirts. On a déjà les affiches, tout. Voilà. Donc, nous allons vous donner à partir de demain où nous devons nous croiser. Les gens connaissent déjà l'adresse, mais je vais publier l'adresse à partir de demain. L'adresse à partir de demain. Et même les vauriens, là, si nous sommes au courant de l'hôtel où ils vont loger, on va leur donner café le matin, à midi et le soir. Ils ont, c'est-à-dire tous ceux qui auront des informations sur ces vauriens là, où ils vont loger ici, à New York, envoyez-nous l'information. L'hôtel, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à cacher Doumbouya comme un rat. On va les déterrer. Parce que les bandits, quand ils viennent, ils se cachent. Ils ne veulent pas que les gens sachent où ils sont. Donc, tous nos compatriotes, si vous voyez les bandits du CNRD devant des hôtels à New York, vous savez, beaucoup faire le YOLO, Uber, si vous voyez les bandits là, contactez le général. Je partage l'information. Et nous allons nous déplacer. On a déjà le permis. Donc, les voyous là, nous allons les accueillir ici. Comment des bandits peuvent se lever, des vauriens? Vous n'êtes pas des élus du peuple. Venez vous flanquer aux Nations Unies quand vous allez parler au nom de la Guinée. Omouya Guima. Qui vous a élu? Bande de malhonnêtes. Bande de malhonnêtes. Qui vous a élu? Vous allez parler au nom de qui? Au nom de qui? Les Nations Unies, c'est quelqu'un qui est élu. C'est les élus du peuple qui viennent là-bas. Mais bande de malhonnêtes, qu'est-ce que vous allez venir dire au peuple de Guinée? Bande de malhonnêtes. Qu'est-ce que vous allez dire au reste du monde? Au nom de qui? Bande de tocards. Ce ne sera pas une honte que ce bandit de Mamadi Doumbouya vient se flanquer devant les Nations Unies. Pour dire quoi? Ce vaurien-là, ça ne sera pas une honte devant le monde entier. Si le bandit doit parler au nom des Guinéens, vous ne savez pas que ça sera une honte? Que la République de Guinée, c'est ce vaurien de Mamadi Doumbouya qui doit parler au nom de tous les intellectuels guinéens, au nom de tous les fils de la Guinée. Ça ne sera pas une honte qu'un vaurien, gros, grand, bête, vient s'arrêter devant les Nations Unies, parle au nom de la Guinée. Vous ne savez pas que c'est une honte? Si vous n'avez pas honte, nous avions honte que oui, devant les Nations Unies, pour s'adresser au monde entier, qu'on dise que lui, c'est le président de la République de Guinée, le pays de, voilà, de Sékou Touré. Mais ce n'est pas une honte, ça. Qu'un vaurien, un légionnaire, qu'on dise que c'est lui, le président de la Guinée, ce n'est pas une honte? C'est pas mieux que le bandit se flanque au palais Mohamed V là-bas, en attendant qu'on le fasse sa sauce un jour, mais que le bandit se lève, venir ici, humilier la Guinée. Vous ne savez pas que c'est une humiliation? Que ce vaurien, il a quel diplôme? Il a été élu?
ce vaurien vient de s'arrêter devant le monde entier, il va convaincre qui? Il va dire quoi? Qui va l'accepter? Qui va venir parler dans le vide? Mais ce n'est pas une honte. Kaota mouya gima. Mouta ya gima. Mourafla moura menge naniki. Nera menge. Ne vote la be. Di bandira fati. Mouta yara. Intellectuel ne rebri na la Guinée. Di bandira fati be. Amise falama. Mais ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte que ce bandit vient ici. Non mais les gars. Donc la famille. Bon, je vais vous laisser. Merci. Aliou Diallo, merci à vous. Diallo Idrissa, merci à vous. Ba Mamadou, merci. Merci. Karim, merci à vous. Sekou Kane, merci à vous. Merci à Bakary Kaba, on est ensemble. Idrissa Kamara, merci. Salifou Toures Kondé, merci. Toi qui dis Maurice Danjinoula, d'arrêter de dire. Mais si Doumbouya n'est pas un vaurien, quelqu'un qui n'a pas son entrée en septième, mais ce n'est pas un vaurien. Quelqu'un qui n'a même pas de promotionnaire dans l'armée guinéenne, ce n'est pas un vaurien. Quelqu'un qui a tué pour prendre le pouvoir, ce n'est pas un vaurien. Lui, ce n'est pas un bandit. Eh bien, comment tu veux que je l'appelle? Si c'était l'élu du peuple, on pouvait le respecter. Parce que la démocratie, c'est le choix de la majorité. Mais le bandit, là, ce n'est pas un traître. Mamadi est pire que le mot vaurien. Mamadi est pire que le mot vaurien. Le mot vaurien même. Ça même, si on te dit ça, peut-être que tu es le dernier des autres. Il est le dernier des présidents. Mamadi est pire que le mot vaurien. Et tu veux que je dise quoi? C'est un bandit tout court. Voilà. Karamo Diakité, merci à vous. Amadou Sadjali Oubari, merci. Djabi Zerekure Keita, merci à vous. Fula Mandé, merci. Force Tranquille, merci à tout le monde. Ouma Bayo, Papirumba Kanté, merci. Suleiman Kamara, Ferenke Mansaré, merci à vous. Voilà. Fofana Moussa, merci. Salif Torres, Morikonde, Betty Kone, merci à vous. Donc, Diamandi Magasuba, Sidiki Diallo, merci, vous êtes nombreux. Voilà, partagez pour que les Guinéens ici à New York, voilà, sachent qu'on est préparé. Les t-shirts, voilà. Senkuna Soumaré, merci, vous êtes nombreux. Amadou Baguel Silla, merci à vous. Bill Gates AMB, merci. Ousmane Roger Kamara, merci à vous. Fassia Pizia, merci. Voilà, mon grand Roger, merci à vous. Vous êtes nombreux, je ne vois pas tous les noms, mais on est ensemble. Mon frère, un bandit, il faut appeler le bandit par son nom. Voilà. Bari Bari, merci à vous. C'est vous qui avez peur de Mamadi. Voilà. Nous, on est à fond. On est à l'offensif. Bepe Bar, merci à vous. Ibrahima Diomandé, merci à vous. Kourouma DG Bermis, merci. Abbas Sanogo, merci à vous. Sadio Bobo, Bousba, merci. Diallo Alseni, Koulibari Mariam, merci à vous. Nishka, voilà, Nishka Nini, merci à vous. Bobo Berete, donc le combat continue, on est ensemble. Bonne soirée, on se reprend encore ce soir. Deux autres vidéos. Nous allons parler une vidéo sur, en tout cas, les putschistes. Sur les putschistes, voilà. Et la deuxième vidéo encore sur les bandits de Conakry, Siaka Konaté, Laila Kamangaté, merci. Voilà, Cissé Aboulaye. Bonne soirée.